Aujourd'hui, je vais tester un hôtel à 1 euro vs un hôtel à 1 million d'euros, Dubaï édition. Si tu te demandes pourquoi je suis dans le désert, j'ai atterri sur Monopoly Go sur ma case prison. Ça veut dire qu'on commence par l'hôtel à 1 euro. Au fur et à mesure de cette journée, on va passer à 100, 1000, 10 000, 100 000. Mais pour cela, il va falloir que j'évolue mes hôtels aussi sur Monopoly Go. Allez, c'est parti, on va voir notre hôtel. Bonjour. Bonjour. C'est votre hôtel, monsieur? Ouais, c'est 1 euro la nuit. C'est 1 euro la nuit? Ouais. Vous payez par carte? Non, bah non. Non. 1 euro. Vous avez pas sans contact? T'as pas 1 euro? Bah tu dégages. Allez, dégage. Dégage. Il a pas sans contact. En vrai, vous pouvez pas me le faire gratuit. Non, c'est 1 euro. J'ai pas de pièce, monsieur. Bah c'est pas mon problème, tu dégages. Allo DHM, y'a moins que tu reviennes avec ton clavier, s'il te plaît. Il est fou, lui. Il croit que mon hôtel, il croit qu'on se connaît, le gars. Il croit que je vais lui donner 1 euro comme ça. Mec! T'aurais pas 1 euro? Je crois qu'il m'impressionne avec son Mercedes, lui. Qui rentre chez lui? Moi, j'ai 4 appartements qui m'attendent à New York sur Monopoly. T'aurais pas 1 euro? Tu m'as fait gaspiller toute cette essence pour 1 euro? Mec, mais c'est lui, là, frérot, il a pas son contact. Tiens, là, 1 euro. Merci, mec. Bon, allez, j'y vais? Merci. Non, je reviens pour l'hôtel à 1 million, c'est bon? Tu reviens que pour l'hôtel à 1 million? Eh, hey, mon hôtel! Mon hôtel, non! Oh! Oh! Tous les jours, il vient, tous les jours, il me salue mon hôtel, celui-là. Tenez. Bon, écoutez, au vu des dégâts, je pense que c'est là la chambre, je peux vous l'offrir. Non, mais tu vas prendre ta pièce, tu vas fermer ta gueule. Allez! Venez, on va visiter l'hôtel. Bon, en vrai, pour 1 euro, frère, on a un PC ici. Alors, ça, je sais pas ce que c'est. On dirait un sorte de coussin, mec. Ok. On est sûr, on a une lampe, est-ce qu'elle fonctionne? Ouais. Ouais, j'ai des peluches là-bas. Carapuce. Pikachu. On a une lampe Minecraft, mec. Et là, qu'est-ce qu'on a? Une Switch! Et de la bouffe. Mais mec, déjà, juste de la bouffe, ça coûte plus que 1 euro, genre. Bon, c'est plutôt pas mal tout ça, mais. Y a pas de toilette, mec, j'ai envie de faire caca. Y'a quoi après l'hôtel à 1 euro? L'hôtel à 100 euros. Mais y'a un problème, Théo. Si je veux passer à l'hôtel 100 balles, il faut short de la case prison sur Monopoly Go. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe, c'est grâce à Monopoly Go que je peux faire cette vidéo. Je visite tous les hôtels jusqu'à 1 million. Mais pour ça, je dois leur faire des défis. J'ai commencé le jeu, je suis arrivé sur la case prison sur Monopoly Go. Pour en sortir, je dois faire un double. J'ai 3 chances, mec. Dans cette vidéo, à chaque fois, je vais réussir un défi sur ce jeu. Je vais pouvoir avancer à l'hôtel suivant. Premier lancé. Ah! Deuxième lancé. Yes! Double 4! Sérieux? Allez, on stay d'ici, mec. On stay d'ici. C'est parti. On stay d'ici. Allez, on passe à hôtel 100 euros édition Dubaï. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon visionnage. Ça va être masterclass cette vidéo. Ouais, le DHM. Ouais, le hôtel 1 euro il pue là. Genre vraiment, regarde, c'était une tente, mec. On plein dans le désert, s'il te plaît, mon gars. Yo, tu m'accompagnes? Non, non, je vais rester là. Moi, je vais arranger l'hôtel. Ah, hey, DHM, on passe à l'hôtel 100 balles. C'est parti. Ah ouais, t'as vu, il est haut, hein. On est dans l'ascenseur, c'est parti, 27ème étage. C'est une chambre, un lit, king size. C'est une chambre pour 3, trop bien placée. Hein. Tu sais qu'on est vraiment à 2 minutes du mall de Dubaï. Il est à côté du Burj Khalifa, mais le problème c'est que c'est assez ancien. Et je trouve ça trop stylé en vrai de vrai. Waouh! Attends, mais c'est incroyable. Quoi? Attends, quoi? Oh mec, attends. C'est vertigineux. Oh mec, mais attends, what the fuck? Mais mec, il y a un step-up de fou pour 100 balles. Alors t'as quoi? Dépêche-toi, rentre vite. Dépêche-toi. Quoi? What the fuck? Mais ça coûte pas 100 balles. Alors déjà l'entrée, mec, on a un petit bureau ici. What's up, my boy? Sunshine. Tu sais que ça, c'est trop bien, en vrai, parce que si t'es en voyage, tu sais que t'as déjà une table avec une chaise parfaite. Alors on a eu de la chance parce qu'on a été upgrade. Donc on est arrivé et en fait on a payé que 100 balles, mais on a été quand même upgrade, donc niveau supérieur. Et sans tricher, on a rien dit. Mec, on a rien dit, on a même pas dit qu'on était youtubeur. Waouh, la vue, mec. What the fuck? Ah là, j'avoue, c'est non. La vue, c'est une dinguerie. Et ici, on a le lit. Ah oui, d'accord. On baptise le lit? Oh, qu'est-ce qu'il est bien. Oh, la tente, on était bien, hein, comme dans mon hôtel. Hein. Ouais, n'importe quoi. Ah, on n'a pas vu la douche aussi. Attends, il y a la douche juste derrière. Waouh, mec, c'est incroyable. Je suis désolé, c'est incroyable. Tu vas me dire que ça, en plus, c'est un immeuble ancien. Ouais, mais après, bien. Dubaï, quand on dit vieux, ça veut dire 20 ans. Hein. Ouais. Il faut savoir que dans chaque immeuble de Dubaï, il y a une piscine. Celle-ci se situe au dernier étage et est ouverte jusqu'à 20h. Mec, c'est un jacuzzi dans la piscine. Tu as aussi l'accès à une gym. Celle-ci a quelques machines qui font largement le travail. Bon, on a bien réussi à tout visiter, mais là, maintenant, le problème, c'est il faut que je passe à l'hôtel à 1000$. On sort le téléphone parce que on va devoir évoluer toute ma ville sur Monopoly Go pour que je passe à l'étape suivante. Alors là, on est sur New York. Le but, là, c'est que je récolte de l'argent qu'on peut voir en haut à gauche et améliorer mes cases, mes quartiers. Donc, à chaque fois, je vais lancer le dé pour tenter de tomber sur les bonnes cases afin d'avoir le maximum d'argent possible. Hop, là, on est dans l'endroit d'amélioration. Plusieurs bâtiments, comme par exemple le pont, comme par exemple le stade de foot. Et je vais devoir les améliorer jusqu'au niveau 3, c'est le niveau max. Quand ils sont tous niveau 3, normalement, je vais passer à New York. Parc Régis, tu possèdes tout New York, let's go! On va changer de ville. Car oui, Monopoly Go, tu vas pouvoir changer tes plateaux sur plus de 100 villes différentes dans le monde. Et là, on passe à Londres. On gagne quoi? Des sous-sous et aussi des lancers de dés, 50 lancers de dés. Vous amusez bien? J'adore! Allez, on peut y aller.
On prend les affaires, mec, là on passe à 1000 balles, mec, c'est énorme. Si tu veux tester Monopoly Go, c'est gratuit. Disponible sur l'App Store, que ce soit sur iOS, Android, tous les téléphones, les tablettes, tout ce qui est portable, t'auras un lien en description. C'est gratuit, mec. Fais-toi kiffer. Et surtout, tu peux jouer avec tes amis, mais ça, je t'en parlerai plus tard. Et voici l'hôtel à 1000 euros la nuit. On va rentrer et analyser, voir si ça vaut la tunasse. Hop, on arrive directement dans l'hôtel villa à 1000 euros la nuit. Alors déjà là, mais c'est un truc de ouf parce que regardez ce qu'ils m'ont fait. Ils m'ont fait un truc en mode happy birthday, c'est pas mon anniversaire. Ouais, c'était au cas où. Du coup, on a des fraises au chocolat. Moi aussi, j'en prends du. C'est bon. Ouais, c'est bon. Hein. Ouais. Normalement, on a une piscine privée, mais on va aller d'abord voir les chambres. On arrive dans la belle cuisine. C'est stylé. Mec, Théma, tu sais que ça, c'est un fond de restaurant. Ah ouais. Oh ouais. Ah, oui, regarde, c'est une cuisine de restaurant. Et là, on arrive directement dans la première chambre, donc la chambre avec un grand lit. Oh, le lit est sympa. On peut le baptiser, le lit. Alors, on va baptiser, il y a 1000 balles le lit. Ok, on baptise, c'est parti. Il est confortable. Oh, j'ai tapé la tête sur ce truc, c'est hyper dur. Encore des... C'est quoi ça? C'est pour les chevaux. T'es sûr? Ouais. Ok. Là, on arrive directement dans les deuxièmes toilettes avec lavabo. Et là, waouh, on arrive dans la deuxième chambre. Là aussi, c'est Théo et DHM qui vont dormir. Je le baptise. Oh, qu'est-ce que je suis bien. Et encore un truc de cheval, mec. Et s'il y a que des trucs de cheval. En fait, ici, on peut faire de l'équitation, mec. Oh, il y a quelqu'un qui est en train de chier. Tu fais quoi, Théo? Téléphone. Dans la salle. Allô? Ok, only the people who are under 80 kilos. Ok, I will ask my friends, ok? Thank you. Bye. Ok, alors ici le cheval, si tu fais pas moins de 80 kilos, tu peux pas en faire. Donc DHM, on peut pas en faire. Attends, elle est où la balance? Yo, mec, qu'est-ce que tu m'as fait, mec? Tu m'as mis de l'eau partout, ça gogole. Là, après, on a une deuxième baignoire, toilette et tout. Oh, le miroir, il est grand de ouf, t'as vu ça? Ah ouais. Hello! Abonnez-vous, les gars! Abonnez-vous! Ouais, abonnez-vous! Ok les gars, on va directement dehors cette fois-ci. Oh la piscine! Oh! Elle est chaude? Elle est incroyable. Non, elle est chaude? Elle est tiède. Mais le bon tiède. Regarde. Oh là 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 là, elle est trop bonne l'eau. T'es prêt pour tester la piscine? Allez, let's go. C'est parti! Tada! Oh, elle est trop bonne! Oh! Oh, mais Théo, viens tout de suite! J'arrive te rejoindre, Doudou. Ah, mec. Et là, franchement, pour 1000 balles la nuit. Mais 1000 balles la nuit, ça le mérite ou pas? C'est cher de ouf, hein. Je sais pas. Voilà. En fait, faut se dire que c'est un hôtel. Ah, c'est un hôtel. On a un service room, en fait. Yeah, we have commanded from... A few moments later. Oh, thank you, sir. Alors, on vient de recevoir la nourriture. Franchement, c'est énorme. Ça balait le coup. Sur l'eau, mais c'est parti. Yo, les bigognos, c'est le matin. Si je veux aller dans l'hôtel à 10 000 balles, il faut que je fasse un braquage parfait. Alors, on lance Monopoly. Pour faire un braquage parfait, il faut que j'arrive à récolter les 3 bagues en diamant pour avoir le jackpot. Allez, s'il te plaît. Un diamant. 2 diamants. Non, toujours un. Des pièces. 2 diamants. Ah, j'ai eu les 3 billets. J'ai fait un braquage moyen. Pour faire ce braquage, il faut tomber directement sur les gares de Monopoly. Allez, c'est parti. Deuxième braquage de banque. J'ai qu'à juste à cliquer et ça doit le faire. Hein. Let's go. 2. Non. Yeah. Hop là, il a fait faillite. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire? On a débloqué le voyage à l'hôtel à 10 000 balles, les mecs. Let's go. 10 000 euros. Merci Monopoly. Merci Monopoly. Ok les mecs, alors là on est dans un endroit, 10 000 balles la nuit les gars. Du coup je peux pas trop faire le con tu vois. Bref, la vue est folle, comme vous avez pu le voir, c'est un truc de malade. On a le coucher de soleil, vous montrer les prix des menus, c'est astronomique. Mais avant ça, on va vous faire le tour un petit peu de la piscine ainsi que le coucher de soleil. Venez avec moi. Alors, pourquoi je dis 10 000 euros la nuit? Déjà là on est un petit peu en caméra cachée les gars, c'est pour ça que je suis pas forcément trop devant la caméra. On fait ça un petit peu en caméra cachée. 10 000 euros la nuit les gars, parce qu'il y a la nuit à payer, il y a la nourriture à payer, il y a la piscine et toutes les options en plus qui coûtent extrêmement cher. Comme vous avez pu voir, les prix de la bouffe, c'est un truc de malade. Contre la vue qu'on a, regarde le coucher de soleil qu'on va avoir là-bas. Mec, c'est une dinguerie. Oh, regarde l'immeuble en bas, il me donne le vertige, l'immeuble Emma. Là on vous a montré le restaurant et là maintenant je vais vous montrer la piscine. C'est parti. Pour accéder à cette piscine, du coup il faut avoir la chambre.
Je peux pas y aller comme ça. On est à peu près, pour vous dire, 3 fois plus haut que l'hôtel à 100 euros. Bon, on a loupé un truc, regarde là. Tous les gratte-ciels de la marina qu'on voit. T'as vu? Mec, c'est une dingue. Arrêtez. Et tu vois là-bas, mec? Est-ce que tu le vois celui là-bas? C'est celui à 100 000 balles qui nous attend. Le Burj Al Arab. Alors, du coup, on a le petit Pokéball saumon. Voilà, très joli. Là, on a mes petits crevettes. Regardez, on dirait une grand-mère. Et là, on a les petits saumons. Voilà, voilà. Bon appétit. Et téléchargez Monopoly Go dans les commentaires, s'il vous plaît. Pour qu'on en refasse. Oui. Après avoir fait la piscine, la séance de sport, on est à la chambre. 710. Alors, normalement, dedans, il y a Théo, il est caché. On va devoir le retrouver. C'est parti. Waouh. Plutôt pas mal. Ok. Ouais. Ouais. On va faire la test du lit, bien entendu. Mais avant ça, on va aller voir un petit peu la salle de bain. Oh, la baignoire. Alors, la baignoire, on l'avait eue dans l'hôtel à 100 euros, hein, quand même. Avec la douche ici. Elle est immense. Non, en vrai, ça va, c'est une taille normale. Mais c'est très, très moderne, tu vois. C'est très moderne, très clean. Et la différence aussi, c'est la vue et l'emplacement. Parce que l'hôtel, par exemple, à 1000 euros qu'on a eu la villa, elle était loin dans le désert. Cet hôtel-là, il est en plein milieu de la marina, au bord de l'eau, vue sur la mer. Ça va Théo? Je viens de te réveiller, mais pourquoi tu dormais au sol? T'as un lit à côté. Ouais, il a l'air confortable lui. Ouais, il a l'air d'être très confortable lui. Je vais le tester aussi, t'es prêt? Oh! Non, Théo, il est pas mal ce lit. Allez, viens là. Allez, viens là. À l'aide! À l'aide! Non, Théo, mais toi! Oh, une tablette là. T'as une tablette, wesh. Oh, mais mec, regarde avec ça. Tu vois, je peux faire toutes les lights. Ah non, ça, c'est la température. Là, on peut allumer la télévision. Ah, ah! Oh, c'est une dinguerie en vrai. Oh, vite. Éteignez les lumières, Théo. Il y a un feu d'artifice en direct. Mais mec, la truc de malade. Ça, c'est une chambre à 10 000 balles, les gars. On est lundi soir, les amis. Il y a zéro fête nationale, rien du tout. Oh, bokeh final. Oh, ça résonne de ouf en plus, hein. Mais wesh. Oh là là, tout ça gratuitement, comme ça. Un improviste. Bon, pour que je passe au niveau supérieur, 100 000 balles, il faut bien entendu que je fasse un défi. Donc, on s'est arrêté où j'avais évolué entièrement New York et on était passé à Londres. Ça va Théo? Là, je vais devoir relancer des dés pour améliorer ma ville en entière. Mais le problème, c'est que mes dés sont limités. Je peux mettre aussi le lancer de dés automatique. En plus de ça, sur le jeu, tu vas pouvoir tomber sur des cases où tu vas pouvoir détruire les hôtels et les bâtiments de tes amis. Et là, regardez, on a tout amélioré. Et on va passer la prochaine ville, qui est Venise. C'est bon les gars, on peut aller à l'hôtel à 100 000 balles. Tu viens avec nous? C'est parti. Tu peux télécharger le jeu directement avec le lien en description. Ça me ferait trop plaisir. Mec, c'est une dingue. Oui les gars, c'est une dingue. Ça va? Je me sens pas à ma place. On est en train de monter là et il y a un aquarium. Et nous voici au Burj Al Arab, l'hôtel qui s'est autoproclamé 7 étoiles. Le seul et l'unique, il n'y a pas un autre 7 étoiles au monde. On est venu nous chercher en Rolls-Royce, j'ai du mal à le dire, la voiture la plus confortable du monde. Mec, t'aimes à la place qu'il y a. C'est une limousine. La place est ouf. Mais mec, la place. Attends, j'ai jamais vu autant de place. Moi, je suis 1m94, j'ai jamais eu autant de place derrière une voiture. C'est impossible. Quand tu rentres à l'intérieur, le toit se trouve à 180 mètres au-dessus. Il y a de l'or de partout. Des boutiques intérieures, que ce soit de montres ou de vêtements de luxe. Et la vue me donnait le vertige. C'est une dinguerie, mec. Regarde la porte. Mec, c'est une porte d'église, mec. Allez, on va rentrer, les amis, dans la chambre. Oh putain de... What? Alors déjà, ça là, c'est une... Ah, je suis désolé. On a un escalier royal, mec, ok, qui va amener aux chambres au-dessus. Où on est, les mecs? C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel d'HM? On va pas dormir, les gars, ok? Non. Parce que là, on est dans l'hôtel à 100 000 balles. Mec, 100 000 balles. Regarde-moi ça, où on est, frère. On est là-dedans, mec. Regarde la télécommande, mec. La télécommande qui coûte plus cher que ma maison. Mec! Oh mec, c'est chaud, hein. C'est un truc de baiser, mec. D'abord, je te montre un truc. Vas-y. Parce que quand t'es rentré, tu t'es dit, waouh, le salon est trop bien. Et les chambres au-dessus. Bah ouais, le salon, il est immense. Non. La vue dehors et tout, mec. La chaîne, en fait, a deux portes derrière. Vas-y, je suis prêt. Je t'emmène. Oh putain, c'est pas fini. Comment ça, on a un deuxième salon? C'est incroyable, mec. Demain, les gars, on aura la vue dehors, ça va être incroyable. On a des petites plantes et tout. On a des coussins. What, on a une dévialée. Les mecs, on a une dévialée pour la musique. Regarde comme il est petit, Cradock.
Mec, on peut jouer au foot, les gars, pourquoi elle a pas pris un ballon? Oh. Mais mec, c'est une dinguerie, en vrai. En vrai, là, je me rends compte que c'est sale, là. En sachant que c'est pas la chambre la plus grande. Hein. Et on est toujours pas allé voir les chambres au premier étage. Oh, c'est trop dingue. T'es oh, monté? Quoi? Vous êtes monté? C'est n'importe quoi. C'est dingue, mais non. Tu sais que j'ai vu des dingueries. C'est ça. Plus grand qu'en bas. Quoi? Quoi? En haut, c'est plus grand qu'en bas? En haut, je suis monté, j'étais là. Charles, on va faire comme Nordéco. Tu vas venir et tu vas fermer les yeux. Vas-y, Charles, les yeux. Ok. T'es prêt? Ouais. 3, 2, 1, ou. What the fuck? C'est quoi? C'est la douche. Mais non, c'est Disneyland Paris, mec. C'est la douche invitée. C'est la douche invitée? C'est la douche invitée. Oui. Oh! Waouh! Waouh! Là, t'as la chambre invitée. Waouh! 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 Wow. Bon alors la chambre invitée c'est deux lits séparés. Oh quelqu'un l'a baptisé celui-là. Mais non. Le pyjama mec. Mais attends mais mec il y a un Dyson pour sécher les cheveux. Le Dyson il est en or couleur de la pièce. Alors ça c'était que la chambre invitée. Voilà et les portes. Et je comprends les gars pourquoi c'est un 7 étoiles. On a ça nulle part en fait. Je ferme les yeux. Ouais. Ouais. 3, 2, 1. Un mur. Oh le mur. Oh sympa. Oh mon dieu! Oh mon dieu, ah ouais! Oh le lit! C'est une dinguerie. Ah, vous, quand t'appuies sur un lit à la télé. C'est une dinguerie, mec! C'est une dinguerie! Je le baptise, je le baptise. Allez, le saut de l'ange! Oh! Mec, je suis tellement reconnaissant de pouvoir vivre ça, c'est un truc de malade. Genre, merci les gars, franchement c'est... Il fallait absolument que je découvre à quoi ressemble la gym de cet hôtel. Mais je suis tombé sur deux pièces intrigantes. Une salle, dernier étage, pour faire de la boxe. Une bibliothèque avec des livres, un billard, enfin plutôt un billard x4 vu sa taille. Et on découvre enfin la salle de sport. On est rentré à l'intérieur, il y avait une personne qui s'entraînait avec quatre coachs autour de lui. Tu sens le mec, faut pas l'embêter quoi. À part ça, le matos était très bonne qualité, on a pu faire une petite séance épaule. La salle est vraiment... vraiment bien. Et on est parti direction la piscine, le dernier étage. Et la vie, c'était trop. Sincèrement, le jacuzzi en plus. Oh là 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 là. Putain, les gars, je suis dans la douche. Il y a de l'or à l'intérieur, de l'or. Pour le restaurant, il se trouve directement sur le plateau. On était là dans le petit coin. Là, j'ai pris le caviar. Ok, ça là, ce que j'ai dans les mains, ça coûte 400 euros. 4. Et les gars, attends quoi? Ça coûte 400 euros ça? Ouais. 2 hours later. On a l'addition. C'est n'importe quoi. On va le prix là. Vas-y. What? Je diminue. Les gars, celui qui fait le plus petit dé, il paye. Allez, c'est parti. Chance. Comme une chaîne. 6. J'ai fait 5 et 1, mec. Vas-y, à moi. Oh! Quoi? Oh, il a fait 3. J'ai fait 3? J'ai fait 3, les gars. Ah, il est foutu. Il a fait 4. Ma chance. Voilà. Ah bah les 9. Il a fait 9. Il a fait 9. Ok. Pour sa poche, ça va. Pour l'instant, c'est toi, Denis. Eh les gars, double 1, s'il te plaît. Tradoc, double 1. Oui. J'ai fait 8. Celle-là. Il a fait 5 et. De toute façon, il a 5 et 5. 5 et 5. C'est fou le fromage avec le pain. Ah, il est approuvé. Merci, Dani. Oh, oh là là. Vue de baiser. Ok là les gars, il est en train d'arriver avec ce que Unchain a commandé, le petit déjeuner, il est en train de dresser la table. J'ai demandé un petit déj, regardez ce qu'ils m'ont amené. Hop, omelette, gaufre, du pain, jus d'orange, jus de mangue, le beurre, les saucisses. J'ai demandé les amis, les chocopops, j'ai des chocopops, mon café, les fruits et ma petite gourmandise. C'est pas un petit déj, c'est le repas de toute la journée là. Ok là on est en train de monter dedans dans la suite royale pour les piscines en bas. Bon les gars, on arrive dans la suite à 50 000 balles, mec. C'est parti. Les gars, c'est ahurissant. C'est là c'est ahurissant. C'est un truc de malade. Oh, la télé, elle est en or, Théo. Wesh, on va monter là-haut. De l'or de partout. Oh, wow. Mais mec, regardez ça. Regardez ça. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Mon dieu. Mon dieu, la douche. Ah, c'est de l'or. Ok, on arrive directement à la table à manger. Waouh. What the fuck. What the heck. On peut pas aller là. Regardez, c'est le bureau de travail.
Non, après avoir visité la suite royale, on va où? À la piscine. Waouh, il fait chaud aujourd'hui. Ouais, c'est très bon. Ça va être comme tous les jours à Dubaï d'ailleurs. Comment, il y a personne parce que l'hôtel il coûte trop cher, les gars, c'est un truc. Waouh, les meubles. Nesteo, t'es bien? T'es bien combien sur 10? Là. Oh, maintenant je fais du fort. Comment ça, il est dans l'eau? Gars, de ma vie, la température, elle est parfaite. Les gars, c'est pas que, mais on va aller aussi dans l'eau tester toute cette piscine. Allez, viens, Théo, viens dans l'eau. Et regardez le short à Théo, il est trop stylé. Quand Dani va voir cette vidéo, désolé Dani, j'ai prêté ton short à Théo. Non, mais hier soir, qu'on est allé au jacuzzi, ouais. Il avait pourquoi tout le monde a mes shorts? Il bat ses chats, il a dit, je vous prête des shorts. Et toi, tout le temps, tu prends les affaires des gens. Il est bonne, hein. Théo, il est mort. Oh, plein dans mon prout. En fait, c'est bizarre, les gars, parce qu'on a encore des enfants et autour de nous, il n'y a que des mecs. En fait, c'est que des gens multimillionnaires et nous, on est là dans l'ascenseur. Oh, ça pue la merde, on court. Genre, on n'a rien à foutre ici, en fait. On va aller visiter. La vue, là, elle est ultra chaude. La taille de la piscine. Fais main. La taille de la piscine? Wow. C'est insolent de fou, mec. Insolent. Ok, bon, les mecs, on va faire l'impensable, ok? On va appeler l'accueil et leur demander si on peut avoir une PS5. T'imagines, ça passe? En vrai, je vois pas dans quel monde ça passe. Mec, on est au Burj Al Arab 7 étoiles. Si je demande une PS5, il y a moyen dans un monde qu'on ait une PS5. En vrai, un hôtel 7 étoiles, ça kiffe pas. Normalement, s'ils se mettent à cette catégorie-là, si tu demandes une PS5, ils sont censés te la porter. Allez, c'est parti, j'appelle. Hello, I wanted to play with my friends. Do you have a console, like PS5? PlayStation 5, okay. We'll check with the bundle, see if they have PlayStation 5 or not. Ok, thank you. Thank you. Oh, mec. Peut-être. Je pense qu'elle a demandé au mode si on avait en réserve. Oui, on parle pas du PS4, on parle du PS5, mec. Ça veut dire que théoriquement, déjà, c'est possible. C'est-à-dire que la PS5... Théoriquement, c'est possible. On va pouvoir la mettre ici. Là, en attendant que la PS5 arrive, il faut quand même que je remercie Monopoly Go. C'est grâce à eux qu'on a pu faire toute cette aventure-là et c'est pas fini. T'auras un lien en description et aussi en première ligne de commentaires si tu veux, toi, télécharger le jeu et jouer sur ton téléphone. Va y faire un tour, ça me ferait vraiment grave plaisir. Je compte sur vous tous, la team des déchaînés, si vous voulez avoir d'autres vidéos comme ça sur la chaîne. Ça prend beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'argent, c'est vrai. Mais d'un autre côté, le résultat, magnifique. Oh. Donc, merci Monopoly Go. Vite, ouf. Yeah, je crois, les gars, je crois qu'il y a la PS5. Hello. Can you, sir? Hi. I'm just waiting for the PlayStation 5. Yeah, okay. You can set up or may I set up for you? Oh, you know to set up? Yes, of course. Ils vont installer la PS5 dans la chambre. Oh! Attends, c'est quoi le nom du compte? C'est Paul Greg. Ils ont sur le compte de quelqu'un. Oh, mec, c'est incroyable! J'ai demandé une PS5. Ils m'ont filé une PS5. Et je joue, mec, à la PS5. Je comprends pas ce qui se passe, mec. Ils me demandent ce qui se passe, moi je comprends pas. Ah! Il est temps de dormir, on se capte à demain. Bonne nuit, les copains. Bon, les gars, c'était grave cool. Merci d'avoir suivi tout ça. On se retrouve très vite sur YouTube. Je quitte l'hôtel. Non! Thank you. Hello. Bye. Bye. Hello. Thank you. Si t'as kiffé la vidéo, pouce. Pense bien à t'abonner, à activer la cloche, lâche l'énorme pouce bleu. Et tu peux juste cliquer ici si tu veux une masterclass sur la chaîne. Si c'était une chaîne, passez une très bonne journée. Je suis un peu ému de ce qui s'est passé. C'était vraiment une masterclass. Et à très vite sur YouTube. Ciao les gars.